Salut la tribu, c'est Noto et on se retrouve pour le deuxième épisode sur Dune Spice War, donc un 4X dans l'univers du célèbre bouquin Dune. Alors il manque juste deux petites minutes de transition entre les deux parce que j'ai pas lancé l'enregistrement de la vidéo. Donc il y a le marché qui s'est ouvert, le marché du chaume. Et du coup, on vient de découvrir une nouvelle condition de victoire. Du coup, si on arrive à avoir 50% des actions, on a gagné. Donc j'en ai acheté 20 pour l'instant. Bon, il y en a qui ont déjà acheté 60. Et ils avaient du fric, la vache. Et on voit que le prix, il a pas arrêté de monter. On va peut-être attendre que ça rebaisse un peu pour en acheter, je sais pas trop. Il y a 60 actions disponibles. Alors ça doit permettre de verser un petit dividende. Est-ce qu'on le voit ici d'ailleurs, le dividende? Peut-être ça, les ventes. Je sais pas trop. Ah là, je fais 70 centimes. D'accord, j'en vends 70% au CHOM et j'ai une réserve de... D'accord. Pour l'instant dans la réserve, oui si on est bien au niveau de la réserve, on va peut-être même faire un 60-40, voilà d'accord, et ça vend 60, enfin 40% de ma production est vendue, 60% est stockée, ok j'ai compris, et donc on a détecté aussi un siège, oula, ils sont foireux, alors échanger 10 dos contre 20 solari, ah en vrai, ça améliore notre niveau de relation, ça permettra de former une alliance, j'imagine. Voilà, si on est 20 au niveau de relation, ce qui vous permettra de bénéficier d'un bonus d'alliance. Gain de plus 2. Ouais. Bon, attends, on peut toujours l'arrêter un moment. Pour l'instant, j'ai un surplus d'eau, donc je vais le vendre. Ça va me faire un petit peu plus d'or qui va me permettre d'acheter un peu plus d'actions. Un petit peu plus d'actions. 1 pour 1,2 Solari, c'est pas mal. C'est pas mal, on est à 80, on va pouvoir aussi refaire maximum d'équipage. Bah, il m'avait pas dit que je pouvais aller jusqu'à 2 tout à l'heure, non? Moi qui ai rêvé. C'est peut-être moi qui ai rêvé. Ok, alors. Donc on voulait aller prendre ça parce qu'il y a un autre gisement d'épices ici. Parce que lui est pas très intéressant. Limite, lui, je pourrais aller le piller, remarque. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait piller. Ok, hop, viens là. Et toi, viens là. Ok, oula. Scientifique Dix. Alors, la délégation de la planète X a fait le voyage jusqu'à Arrakis et souhaite collaborer avec vous sur des projets scientifiques. Financer leurs recherches, travailler sur un prototype. Alors, trouver et résoudre deux découvertes de type épave. Ah, ça peut être pas mal. On reçoit une unité. Ouais. Et on gagne 10 de réputation. Ça, c'est pas mal. Ou on peut les financer, mais on perd de l'or. Non, j'ai pas envie de les financer, moi. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, j'en suis où dans mes agents? Test de recrutement d'agents plus 20. Ouais, ok, très bien. Du coup là, lui je vais le mettre sur... Alors attendez, hop, on va verser plutôt. Parce que lui c'était vitesse de détection des sièges. Non, c'était plus 20 sur la production de chaque ressource sur le terrain. Je sais pas trop. Ah oui, ouais, je pense que j'ai mal compris. C'est pas grave. Alors là, du coup, j'ai logiquement quelqu'un. J'en avais là un ornithoptère. Ah, il était là. Hop. Vos agents. Ah, mais c'est qui? D'accord, ils se mettent tous les deux sur rien. Je pensais qu'on pouvait faire. Bon, ça va réduire le temps, c'est pas grave. Comme ça, on va pouvoir aller prendre ça. Là, on va faire le siège ici. Ce qui va nous permettre de piller, de gagner un petit peu d'or. Je sais pas du tout comment je me place par rapport aux autres, à vrai dire. Bon, c'est pour faire des échanges, oui, ok, très bien. Ah, je pense qu'on a plus d'épices que... Bon. Je sais pas s'il y a un rapport quelque part qui compare les puissances en place, je sais pas. Hop. Toi, tu attaques. Et toi... C'est la guerre. Tac, tac, tac. Ok, donc ça, on va pouvoir résoudre. Hop. Venez là. On va aller après. Donc, avec lui, là, j'étais en train de faire, du coup, de l'échange. Donc, je vais échanger 10 d'eau. Je pourrais l'arrêter si à un moment, ça... Ah, compte 21. Ah, plus le niveau augmente, plus je gagne des solaires. Oh, très bien, ça. Très, 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 très bien. Dévasté. D'accord. Et donc, lui, il a déjà dû être pillé. Ok, ça marche. Peut-être pas falloir non plus trop s'étendre. Là, je vais aller là. Peut-être que quand même, après, j'aurai intérêt à prendre ça. On sait pas.
Ça, c'est une épave de navette. Alors, l'autre épave, elle était là. Tac, donc ça, il m'en faut deux. Ça, il m'en faut deux. Ok, un siège détecté. Ça, c'est ok. Nouveau conseil. Ah, nouveau conseil. Je peux pas voter? Les résolutions sont soumises au vote dans un jour. D'accord. Bon, il y a le temps. Ok. Combat en cours. Bon, là, je pense que là, on est large. Très bien. Ouais. Voilà. On va piller. Ça va faire de l'or. Dépenses de réserve quotidienne. Ouais, ça va permettre de donner accès à la mission Marteleur-leur. Oh, trop bien! Trop bien le marteleur-leur. Ça va permettre donc de l'utiliser, non pas pour se déplacer, mais pour pouvoir l'attirer sur des ennemis. De vos unités militaires. Alors comment je. Ah oui, non, mais je ne l'ai pas encore découvert. Je ne l'ai pas encore découvert, suis-je bête? Très bien, donc lui, j'avais dit que je voulais aller prendre ça, parce que là, il y a de l'épice et de l'épice. Là, on est pas mal, ça va nous faire de l'or. Ça, c'est ce qu'on vend. La base, les villages. Alors oui, tout à l'heure, là, on avait dit qu'on pouvait faire des trocs ici. Alors, je vais mettre sur pause le temps de voir. Ah oui, d'accord, c'est si je construis un bâtiment militaire, j'imagine. Oui, d'accord, ça doit être ça. C'est la vitesse des recherches, ok. Cela est rapporté par les dividendes, ça c'est pas mal, ok. Ressources sociales lors d'échanges commerciaux, ok. Ah, ça c'est bien aussi. Surtout que nous, on a un bonus hein, pour ça. On a un bonus. Touk, 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 touk. On a que pire en nouvelle la meilleure, la détection des sièges, ok. Mais on n'avait pas un bonus naturel? Non, je pensais que je. Ah si, il peut former des alliances. Ah non, c'est qui, c'est qu'on, même s'ils sont pas dans notre territoire, on peut former des alliances avec eux. Ok. District 1. District 1, district 2, district 3. C'est ça? D'accord. C'est par district? Ouh là là. Alors attendez. Remplissez un district avec un bâtiment de type économie pour obtenir. Remplissez un district avec deux bâtiments. Ok. Remplissez un district avec trois bâtiments. D'accord. Ah oui, c'est par district. La vitesse de recherche, l'influence, l'influence. L'influence en vrai c'est pas mal. L'influence en vrai c'est pas mal, ça a l'air de donner quand même des beaux bonus. Hein. 20 d'autorité. Bon, l'autorité c'est pas ce qu'on manque. La gain d'hégémonie. Ah, l'hégémonie c'est pas mal. C'est pas mal aussi, il nous en faut de l'hégémonie. Une partie de votre hégémonie est convertie en soleil. Oh. Ah oui, par contre ça coûte la peau des. Ah. Ça coûte la peau des coudes. Ok, 1500. Ouais, ça coûte cher, la vache. Alors, le vote, le vote, le vote. La réputation auprès du Landrat. Alors, c'est là où je sais pas, la réputation. 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 Pourquoi j'ai zéro? Immédiate, hop là, hop là, hop là. Bon, le poids politique auquel votre faction auprès du Landrat, une réputation irréprochable ouvre certaines portes tandis qu'une mauvaise réputation fait de vous une cible privilégiée. D'accord, donc moi là je suis mal barré, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Où est-ce qu'on le voit ça? Où est-ce qu'on voit la réputation? Ouais, je sais pas. Donc on va dire qu'on s'en fout. Eh ben si c'est là en plus on a le. Une paire de. Ok. Alors, qu'est-ce que je construis? Trois de connaissances, connaissances. Ouais. Bon, de toute manière, ça je peux rien faire. Et puis peut-être que j'ai intérêt à développer. Mes villages, je les ai pas beaucoup développés. Hein. Lui, il est un peu exposé, je peux peut-être. Ah, si, c'était là, j'avais recruté des miliciens. Non. C'était ici du coup. Ouais. Si j'en avais recruté un. Peut-être recruter un milicien quand même. Ça coûte. Ouais, ça coûte pas très cher en plus. Alors, on est bien maintenant. Alors il va falloir bientôt créer une deuxième équipe. Mais on n'est pas si mal. Là, on n'est pas loin de là. C'est que ça, c'est assez exposé quand même. Bon, là, on va faire la guerre là-bas. Là, on a récupéré de l'or. C'est plutôt pas mal. En fait, il va falloir qu'on aille piller un petit peu tout autour, je pense. Bon, en gros, oui, bah ça c'est normal. Oui, donc du coup, c'était là. Obtient 30 de réputation. Ça aurait été bien que ce soit nous, mais on n'a pas l'air d'être. Pas l'air d'être très fort. Toutes les factions subissent. Ah non. Ça faut la rejeter.
Ça, faut la rejeter. Pour l'instant, on va faire ça. C'est vrai que ouais, j'ai pas beaucoup d'influence. Ça serait peut-être pas mal d'en gagner un peu plus. Où est-ce que j'en suis là? J'en suis à la moitié. J'en ai découvert un autre ou pas? Non, pas encore. Ça coûte quoi? Mince. Bon, bah, c'est pas grave. Je l'ai lancé, c'est pas grave. On n'a jamais trop d'éclaireurs dans ce genre de jeu, généralement. Donc là, on va pouvoir prendre ça. Ça va nous faire une deuxième production d'épices. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'histoire trop de contournement la partie stratégique. Alors c'est oui, parce que c'est un 4X, mais c'est un 4X en temps réel. Enfin, vous le voyez depuis le début. Donc il n'y a pas de placement d'unité. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de placement d'unité ou autre. Où je joue très mal, c'est possible. Tac. Alors ici, lui, j'avais dit que je voulais l'annexer. Par contre, il va falloir, voilà, c'est là où dans les villages, il va falloir quand même qu'on produise des pièges avant. Hop. Il va falloir qu'on produise des pièges avant. Très bien. Tac, tac, tac. Je vais peut-être en ramener. Remarque, j'en ai deux qui vont bientôt disparaître. Alors, c'est lesquels qui sont... Ça, c'est les guerriers et des guerriers. Ça, c'est des mercenaires. Ils sont où les autres mercenaires? Ils sont là. Parce que eux, ils restent pas longtemps. Ok. Alors, ici, ça veut dire que... Ah, j'ai plus assez d'eau. Ok. Donc, il va bien falloir qu'on refasse des pièges avant. Tac. Ces deux unités-là, je vais les envoyer où? Est-ce qu'il y a un village que j'ai... Ouais, ils sont un peu... Voilà, je peux les envoyer là-bas. Je sais pas s'ils ont de quoi y... Allez, après tout, pourquoi pas. On va essayer le marteleur. J'ai pas encore... Ah oui, non, mais attendez. Annule les attaques de vers de sable à proximité. D'accord. Oui, c'est que on doit pouvoir se faire attaquer quand même. Alors, attendez, on va essayer avec un marteleur. Hop. Ah oui, et puis ça me dit où est-ce que je peux aller. Ah oui, d'accord. Et je peux pas aller forcément. Ok, donc non, donc je vais pas le faire là, je vais les emmener à la frontière de chez moi et je vais les envoyer avec le marteau. Oui, c'est une portée limitée. Lui, il veut de l'influence et du place-crête. Non, là, non, 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 non. Va te faire voir. Va te faire voir, mon pote. Et donc là, oui, il me manque de l'eau. Il me faut de l'eau. Allez, va explorer toi aussi. Ah oui, d'accord. C'est rigolo ça. Ouais, comme ça on va pouvoir aussi protéger un petit peu notre territoire. Alors, est-ce qu'ils sont arrivés? Oui, eux ils sont arrivés. Tac. On va aller. Attendez, c'était lequel? Ah non, là. Ouais, d'accord, on est vers la base impériale. Eh ben, raison de plus. Hop. On va les faire arriver là. Alors, voyons voir comment c'est fait. Ouais, c'est pas mal foutu. Hein. C'est pas mal foutu. Ils se sont pas mal démerdés. D'accord, donc la base impériale, elle est ici. D'accord, on les a trouvés. Donc on sait que eux, ils sont là. Donc j'ai intérêt, ouais. On va. Hop. Allez, on va écrabouiller ça. On va pas leur laisser le loisir de profiter des ressources à proximité. Voilà, ça va être fait. Lui est là. Pourquoi 25 d'un coup? Pourquoi tout à l'heure j'étais à 0 quasiment et là je viens à 25 d'un coup, je sais pas. C'est pas grave. Alors les résultats, ça donne quoi? Ouais, les Harkonnen soutenir. Ah, ça a été soutenu, mince. Je suis le seul à l'avoir rejeté et puis ouais, je suis pas assez. Alors je sais pas, remarque si je peux pas ne pas voter pour garder de l'influence pour plus tard quand vraiment ça sera indispensable. Ah, là je suis à 100%. Je ne pense pas avoir un bel impérial comme vous le comprenez. Certainement, il serait inconvenant de laisser des ordinateurs pas recommandables. Ouh là 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 là. Déjà que je t'aimais pas avant de commencer le jeu, toi. Alors, il me faut un autre. Il me faut un autre. Est-ce que j'en ai découvert un autre là, une épave d'ornicoptère? Non, je n'ai pas d'autre. Mince. Ça, c'est des épaves de navette. Ça donne de l'or. Camphremen. Ouais, on va faire ça parce que ça a l'air de donner quand même des bonus qui sont plutôt sympathiques. Ah bah oui, c'est que mes deux que j'avais là à la base, ils sont partis. D'accord. Ok, moins 200. Bon là, on est bien, on peut même en vendre un peu plus.
Siège en cours. Non, on va l'annexer. On va l'annexer. On va annexer tout ça. Alors lui, du coup, je l'avais annexé. Là, j'ai pas vu les grottes cérémoniales. Si on va dans un bâtiment... Ah non, là, je peux plus produire. Ah si, il faudrait que je débloque ça. Ok. Bon, en tout cas, là, j'ai encore de la place. C'est quoi? C'est les grottes, c'est ça, là, non? Ah, grotte, ok. Ouais. Atelier, gère... Ah, ça, c'est cool. Et je peux le faire que... Ah oui, je peux le faire ici par rapport à ça. D'accord, très bien. Bon, on va faire ça. Hop. Voilà, très bien. Je peux tout de suite lancer un deuxième bâtiment ou pas? Parce que là, j'avais pas fait de piège à eau. Bon, de l'eau. Ah, mais oui, mais c'est normal de l'eau. Oula. Ouais, là, j'ai mes miliciens. Je vais peut-être quand même en recruter un autre. Je vais peut-être quand même en recruter un autre. E2. Eh oui, mais je suis plus qu'à 2 sur 3. Comment on fait? Ouais, j'aurais pas dû l'utiliser parce que du coup, je suis qu'à 2 sur 3. Je sais pas comment on fait pour en recréer d'autres. Parce que là, il dépense des... Oui, il dépense... Merde. Revenez. On n'est pas si loin, mais ouais, revenez vite. Revenez vite. Bon, je sais pas si mes miliciens sont très très forts ou pas, mais... Ils ont pas l'air très forts quand même. 24. Bon, ça va, ça devrait le faire quand même. J'ai toujours pas du coup d'autres épaves. D'autres épaves, d'autres épaves, d'autres épaves. Non. Ah ouais, non, 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 ça va pas le faire, hein. Les raiders, ils sont à... Ils ont 13 d'attaque. Ah, et les miliciens, ils sont... Ah, ils sont moins forts que les guerriers, les miliciens. Hop. Viens par là. Parce que là, du coup, ouais. Là, du coup, ils vont se faire défoncer. Défoncer, défoncer. Ok. Bon, ça m'apprendra. Soyons possibles dans votre... D'accord. Combat en cours, oui. Combat en cours, je sais. Combat en cours, je sais. Oula. Le stratégique examiné. D'accord, très bien. Est-ce que j'ai découvert autre chose? Oui, j'en ai découvert un ici. Oh, juste à la frontière, là. Alors, échanger 10 d'eau contre un d'autorité. Ouais, c'est pas très intéressant. Ah, par contre, la production de tous les villages de la faction augmente de 10%. Attendez, c'est peut-être... J'avais fini ça ou pas? Il est où le siège avec lequel j'étais copain, là? Enfin, que j'étais en train de devenir copain. Là. Non, j'échange toujours 10 d'eau, d'accord. Bon, ça fait un peu cité-état. Ça peut faire un peu cité-état. On va le faire, on l'arrêtera si à un moment on est pas bien. Agent non affecté, vitesse de recrutement des agents, plus 20, ok. Ah oui, alors là, je peux faire des missions. Marteleur caché, chevaucher des destinations ou en partant. Ça me refait un... C'est-à-dire ça me reproduit un marteleur, c'est ça? Un ravitaillement, réserve par jour, sur des points de vie, équipe de ferrailleurs, convertit 500% de la puissance des unités militaires en solarie. Ouais, sabotage de l'équipement. Pourquoi pas, on a de l'or. Bon, ça me résout pas mon problème de lui. Est-ce que je le mets au contre-espionnage? Y a lui qui est pas loin. De la main d'œuvre du renseignement. On va se mettre là. On va se mettre là. 1 pour 2, 306, 329. Enfin, on est bien là. On est bien. C'est vrai que ça, je pense jamais... Oh, attendez. Ah oui, si ça avait remonté, ça avait redescendu. Hop, on peut en racheter. On peut en racheter. Ouais, y en a qui sont déjà à 10%. La vache, les contrebandiers. Ouais, en fait, même s'il y a un cours qui varie. Je pense qu'en multijoueur, ça doit être un peu plus valable parce que bah, des fois, tu dois être à court d'or. Donc, il doit falloir en racheter. Enfin, il doit falloir en vendre. Alors que contre l'IA, c'est pas sûr qu'ils en vendent très souvent. Ouais, les trois là, ça va pas suffire. J'aurais dû mettre deux corps à corps et un à distance. Pas grave, eux ils arrivent. Ah oui, mais ils arrivent, ils sont quasiment morts déjà. Mince. Ne vous inquiétez pas, la cavalerie arrive.
Merde. Ok, bon, va falloir qu'on recrute, hein. Saboteur, visible uniquement à courte portée, c'est pas mal. On va mettre un saboteur avec. Ouais, non, je vais pas le rendre neutre, lui. Alors, j'avais pas créé une deuxième équipe, moi. Ah, mais si, mais il s'ennuie depuis tout à l'heure. Oh là là, le con. Hop. Ouais, je peux avoir qu'un équipage, d'accord. Bon, on est pas mal, en plus on va pouvoir en vendre du coup quand même un peu plus, parce qu'on est bien au niveau des réserves. Ouais, va falloir que j'attende là ma production de... Ah, ça va libérer le village à force, mince. Parce que là, je peux plus rien faire du coup dedans. Non, je pense que je peux plus rien faire du coup dedans. Bon, bah, c'est pas grave, on va attendre. Lui ici là pareil. Alors est-ce que là je mettrais pas des batteries de missiles? Des batteries de missiles parce que... Tac, on va faire ça. Parce que là on est quand même sur un village qui a avancé. Village qui a avancé, on vient de voir que ouais, je pensais pas. Je pensais pas que c'était aussi... Alors la recherche c'est bon. Alors on va continuer dans cette branche là nous. Bon, l'autorité, on n'a pas trop de problèmes d'autorité. Ouais, en fait, bof. Ça, c'est pas si mal. Par contre, débloque un agent d'infiltration. Ouais. Alors après, au niveau de la production, il y a des trucs qui font de l'or ou pas. Ah, équipage maximum, on peut augmenter l'équipage. Voilà, on va partir là. On peut augmenter la taille de l'équipage. Parce que là, on commence à avoir pas mal de trucs. Lui, il me demande 475 pour 10... 18. Tu te fous de moi? Ah, on peut pas modifier, faire une contre-proposition. D'accord. Village assiégé, ok. Est-ce que j'ai le temps d'envoyer? J'espère. Donc le marteleur, j'en ai que un. Alors, est-ce que là, quand même, si... On va essayer, on va voir si ça remonte à 2. On va voir ce que ça donne. À chevaucher des vers de sable à destination en partant de cette région, on n'en consomme pas. Oui, mais en partant de quelle région? Ils sont gentils, mais bon, eux, ils arrivent. Allez, on va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Alors, on va peut-être continuer à développer nos villages. Donc là, j'aurais besoin de miliciens. Alors, les miliciens, ça coûte quoi? Ça coûte 25, 5. Ça coûte pas des masses. Ah, trop cool. Bon, bon, c'est pas non plus hyper puissant, j'ai l'impression, mais... ouais. Par contre, ça fait des espèces d'AOE, donc c'est pas mal dans la composition. Je pense que c'est pas mal. Ok, donc là on va pouvoir ajouter encore, donc on vendra encore un petit peu plus. On en est où là? Ah, ça continue de baisser un petit peu. On a de quoi? On pourrait en acheter, hein. On va passer à 6%. À contrebalancer un petit peu les contrebandiers. Là, ça a coûté un petit peu d'or, mais bon, ça va encore. Je vais faire deux miliciens. Mission de démolition. Tac, tac, tac. Inflige des dégâts de zone. Ouais, bon. Je vais mettre deux miliciens. Ça permettra de temporiser un peu. Je sais pas si je peux prendre un milicien et... Non, il reste là. C'est que de la défense. D'accord. Alors, vote du conseil. Ouais, 46. Je vais pas peser lourd de toute manière. Malheureusement, coût de recrutement d'unité plus 200%. Ouh. Ça, c'est pas mal. Hein. Subi moins 30%. Ok. Toutes les factions gagnent. Ah oui, là c'est qu'on peut choisir, d'accord. Toutes les factions gagnent la vitesse des recherches, des avancées de type économie. Ok, ouais. On va essayer de voir si on peut le stocker un petit peu, vu qu'on a... c'est pas là-dessus qu'on est le plus fort. Ok.
si je mets ça pendant 2 jours, là, c'est ça, ouais. Ça va faire évoluer. Bon. On va voir. Alors, est-ce qu'on l'a trouvé ou pas? J'ai plus personne là qui intervient sur rien, là. C'est ça, ouais. Oh là 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 là. Cette perte... Alors, dans les symboles, là, faut s'y retrouver. Ah, on peut acheter de l'épice. Ah, c'est rigolo, ça. Des ruines... Des ruines, des ruines... Je vois pas d'épave d'ornicoptère, c'est ça que je cherche hein, pour finir la mission là-bas, mais Ah, qui sont où les miens là? Parce que c'est moi ou ils... Ah non, ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Aïe, ça va faire un peu d'or. On va faire ça, on va faire ça. Très bien. Du coup, ici, on avait produit de ça. Bon, voilà, au niveau de l'eau, en fait, on est plutôt bien. On avait le piège à eau, on avait ça. On produit de l'épice. Ici, on produit ce qu'il faut. Bon, là, le village, il a été libéré. Je vais ramener le village à peu près en middle, à peu près ici, pour pouvoir intervenir un peu partout. J'avais un truc avec contrôler le dévers, mais j'ai aucune idée comment on fait. Tac tac tac. Ici, ça augmente un peu l'hégémonie. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, oui, il va falloir qu'on fasse quand même de l'or pour ça. Hein. Ouais, quand même qu'on y pense à tout ça. Vote du conseil. Qu'est-ce que ça a donné? Ah, bah non, le vote prendra fin dans 3 jours. Non, on va stocker. Ah, alors eux, ils sont amicales. On est à 100. 10 contre 24, c'est pas mal parce qu'en plus on a de l'eau en plus. Vous formez une alliance qui vous permettra de bénéficier d'un bonus. Le bonus fraternité. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Ah, c'est que d'échanger ça me coûte 10 et de former une alliance ça coûte 10 encore. Waouh. Ouais. Alors, je pense qu'on peut piller davantage. Je pense qu'on peut piller davantage par contre. Hop. Les villages autour. Les piller, ça va faire de l'or en plus. Du coup, on n'est plus si bien que ça. Agent non affecté. Voilà, donc là, j'ai gagné 2 agents. 10 agents de produits, 5 plus Omar. On n'est pas comptabilisé par le nombre d'agents. Ok, donc là, c'est bien ce qu'on va pouvoir. On va pouvoir augmenter un peu l'influence. Et lui, il fait quoi? C'est pas... C'est pareil. Alors, est-ce qu'on le met chez quelqu'un ou pas? Je sais pas. Ah non, là, je peux pas. La guilde, manœuvre renseignement, ouais. Alors, je sais pas trop. Vous avez que je sais pas trop, mais remplacement d'agents, des solaris supplémentaires, ouais, c'est toujours ça de gagner. Hein. Toujours ça de gagner. Alors, utiliser l'opération. Ouais, non, mais ça le fait qu'une fois. Ce qui m'embête en fait, c'est que ouais. On peut le regarder par là. Vous avez déjà terminé cette mission. Ravitaillement appliqué. Marteleur, leur ressources manquantes. Ok, bon. Est-ce qu'ici... Bon, là, je produis pas mal de plastique, là. Hop, on peut débloquer, du coup, un petit peu plus. Réduction de ressources dans les villages alliés de la région et des régions avoisines. Bon, je produis... Ouais. Après tout, pourquoi pas. Usine... Main d'œuvre pour l'instant, non, ça c'est de la donnée, de la connaissance. La connaissance, la donnée, ouais, je pense. Alors ça doit servir là-dedans, c'est ça? Ça doit servir là-dedans, mais je sais pas. Alors ça, marché de l'épice, c'était ça qui permettait récolte, c'est ce que je voulais tout à l'heure. Ok. C'est vrai qu'après tout, la main d'œuvre, pourquoi pas? Avec ça, après tout, si on se fait attaquer. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop parti sur un gameplay trop militaire, donc on va rester. Cela des bâtiments moins 30. Ça peut être intéressant ou pas? Ouais, je suis pas sûr. Il n'y a aucune onde à mettre ses limites. Que contentez-vous de gérer une poignée? Eh oh! Vladimir? Ne m'insulte pas. Alors, quelle mission? Ah, cool! Ça va être à temps. Dans 8 jours. Ouais, ça devrait arriver à temps. Que là, on est 1 sur 2, c'est ça, hein? Yep.
Très bien. Très très bien. Donc du coup ici on était là. Ouais, soit ça j'augmente la production, je baisse le coût d'entretien, mais bon. Est-ce que c'est vraiment coût d'entretien? Ouais, il faut 1000, ça fait quoi? Ah, c'est pas mal ça. Bon, ça demande pas mal d'entretien de ouais, coût d'entretien en place crête. Va falloir qu'on développe beaucoup beaucoup plus que ça, mais bon. Ouais, je sais pas trop, des batteries, un peu plus de renseignements peut-être. Pour faire des missions, des batteries de combat. Batteries de combat, c'est peut-être pas trop mal quand même. Quand même si on n'est pas sur un gameplay trop trop militaire, on est justement plutôt un peu défensif. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Normalement. Merci. Ah bah voilà. Ça, c'était gagné. Voilà, on va piller. Ah, j'ai plus qu'une ressource. J'ai perdu un. Ah ouais, j'ai perdu un. D'accord, ouais, donc. Et me garder les guerriers, d'accord. Les emplacements des bâtiments de votre base sont répartis en districts de taille améliorée. Votre base, ok. Oui, d'accord, oui, c'est ici, mais là. Ah, si, c'est parce que j'ai 1500. Alors, connaissance, coût d'entretien, des recherches, ok. Bâtiment, oh. 100% démoli, waterproofing village. Ouais, ça j'avoue, c'est bien. Militaire, give access to customer for military. Ouais, 30 points de vie, bon. L'autorité garde l'hégémonie, une part de votre ennemi est convertie en soi. Oh, putain, ça c'est génial. On va faire ça. Allez. On va faire ça, on craque notre or. On est où là si on prend. Ouais, on a plutôt pas trop mal acheté. Bon, on est qu'à 6%, ce qui est à la fois pas énorme, mais. Est-ce qu'on a quelque part, ça c'est les ventes, les échanges. Ouais, les dividendes, c'est que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. C'est que dalle. Bon, c'est pas grave. Ah oui, alors attendez, je pouvais développer ça aussi. Non? Elle est pas. Ah, c'est qu'elle est pas finie la recherche. Elle est pas finie la recherche. Hop, c'était là la recherche. Elle est pas finie, bah oui. Forcément. Ah! Ils sont là, donc va falloir aller occuper peut-être le terrain par là quand même. Bien envie d'aller prendre ça en plus. Le truc c'est que les conditions de victoire là, je les ai pas vraiment. Cool. Alors ça par contre c'est bien parce que tac et du coup, hop là, voilà, on va obtenir la récompense. On va aller prendre de l'influence en plus. On est bien en réserve là, on peut même se permettre d'en prendre moins. Construction achevée, ouais. On a notre batterie de missiles ici. Là, on est en train de produire. Là, j'ai ce qu'il faut. Les régions voisines, ouais. Si à terme je prends ça, je prends ça. C'est quand même pas mal de régions voisines. Peut-être ça qu'il va falloir que je fasse. Peut-être ça qu'il va falloir que je fasse. Touc, touc, touc. Donc lui, on a annexé ça. Hop, là, toi, reviens là parce que je pense que tu es en train d'en perdre, non? Non, pas encore. Ça va. On va re-recruter. Ah oui, mais pourquoi je peux plus? Ah oui, ah la vache, ça coûte autant d'or. Ah ouais, faut pas faire n'importe quoi avec eux. Je pensais pas que ça coûtait autant d'or. ok. Parce que là, j'avoue, tac, tac, ici, ici. Bon, ça, c'est du désert profond. Je sais pas si on peut contrôler le désert ou est-ce qu'il faut contrôler tout ce qu'il y a autour? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On peut quand même pas mal s'étendre. Hein. C'est pas mal. 3500. Bon, on est un peu dernier, mais résoudre, machin, les ateliers d'artisanat. Ouais, les ateliers d'artisanat, c'était quoi qui me permettait de le créer? C'était ça. Ouais. J'en ai pas d'autres là. J'en ai pas d'autres, j'ai ça ici. Ouais. Elle est pas très très grande la map. Enfin, elle est pas très grande. Non, elle est pas très grande. Elle est pas très 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 grand. Alors, recherche ça très bien. Est-ce qu'on peut. Ah, on peut encore augmenter. J'avoue que c'est pas mal ça, lobby économique. Une infiltration, je nomme. Ouais. Production de ressources de ville. Bâtiment construit sur un emplacement supplémentaire. Ouais.
On va continuer là-dedans parce que là, du coup, vu que j'en ai pas mal, je dois pouvoir augmenter, c'est ça? Ouais. On va encore augmenter un petit peu. Ça va nous donner, ça va nous permettre. Vous voyez, on est très bien là en réserve. Ah, bah voilà! Vous pouvez remporter de quatre façons. Victoire d'hégémonie, atteindre 25 000 d'hégémonie. On est à 4 000. Ah, ok. Victoire de nomination, et tous les autres joueurs en détruisant leur base. Ok. Victoire politique, faites-vous élire couvert en gouvernance de Dune au Landstrat et maintenez la charte pour deux conseils. D'accord. Victoire économique. Ok. Alors, il y a de nouvelles actions. Ouais. Alors, on a plus beaucoup d'argent. Un lieu stratégique qui a été examiné. Ok. Ça va faire de l'or. Ça va faire de l'or. Ça va faire de l'or, tout ça. Ah, ouais, par ici. Mais là, ouais, ça va être chez eux. Hein. Je pense pas qu'on puisse faire de toute manière des armées non plus gigantissimes. Oh, c'est joli par ici, là. La petite cuvette, là. Très, très, très mignon, tout ça. Ça, c'est des bases arrières que je peux piller quasiment à l'infini qui va me permettre de générer quand même de l'or régulièrement. Alors, nouveau conseil. Les résolutions sont soumises au vote dans 3 jours. Ouais, 186, ça commence à être mieux quand même. Hein. Ça commence à être un peu mieux quand même. Hein. Parce que. Bon, là, je sais pas l'influence. Bah, par contre, eux, ils ont des votes. Ouais. Alors, c'est peut-être lié à de la faction. Bon. Dans le prochain conseil. Oh, c'est quoi comme vaisseau, ça, qui est dans, là? Ah oui, non, mais c'est d'accord, c'est une maison. Ah, ils se sont quand même pas mal développés. Je pense que j'ai intérêt d'aller prendre une. Le truc, c'est que c'est pas des régions qui sont très intéressantes ici. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans les régions. Bon, il y a ça, mais. Pourquoi pas, mais. Voilà, quoi. Ça, pourquoi pas. Celle-là peut être intéressante. Celle-là pourrait être intéressante. Il faudrait deux miliciens en plus, ou que je découvre un truc qui me donne des miliciens, là, comme tout à l'heure. Petit milicien temporaire, c'était pas mal, à vrai dire. C'était ouf. C'était ouf! Ouais, il y en a de moins en moins quand même. Ok, alors, construction achevée. Très bien. Donc ça, on a développé un peu en politique. Il y a des recherches avancées en politique. Ok. Ça va faire plus 2 d'influence. C'est. Merde, ça sert à rien que je les développe de plus parce que de toute manière, je les ai quasiment finis dans ce qui m'intéressait. Hein. Ah oui, non, c'était cela. Ok. Politique. Les agents assignés à l'infiltration génèrent. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Allez, on va faire ça après. On va faire ça après. Manœuvre diplomatique. Donner accès à un traité à corps politique, débloquer un agent d'infiltration. Ouais. On va peut-être partir un peu là-dessus. On part un peu dans tous les sens. C'est normal, c'est une première partie sur A4X. 4 400. Ah, on est quand même plutôt pas trop mal remonté. Et en reprenant. On a de quoi encore aller reprendre des villes. Ouais. On a de quoi reprendre des villes en plus. La production par niveau d'infiltration. Ok, ouais. Influence renseignement, j'ai bien envie de. Plus 5 renseignements. Chance quotidienne de capturer un agent ennemi. Ouais. On va les mettre là. Enfin, on va la mettre là. Tac. Alors, bon, on va faire ça. On va faire ça. On va repréparer une petite armée. On va essayer d'aller se développer un petit peu. On va augmenter cette partie-là. Augmenter cette partie-là. Région contrôlée, ça donne quand même pas mal. Contrat de fournisseur d'épices. Bon. L'épice, logiquement, on n'est pas trop mal. L'épice, on n'est pas trop. Enfin, on est même plutôt bien. Bon, alors, on la vend pas très très cher. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à la stocker un petit peu? Tant que ça remonte un petit peu au niveau du prix. Là, pour l'instant, nous, on en a 6%. On en a 6%. Ouais. On en a 6%. Il y en a un qui a 10, mais qui est pas. C'est pas si haut que ça. Donc, je pense qu'en vrai, c'est ok, hein. Alors, on finit sur le conseil. On va finir sur le conseil. Contrôler les factions élues gagnent. Coût de construction des bâtiments. Ouais. Congrès scientifique. Toutes les factions gagnent les. Ouais, pourquoi pas. Comité diplomatique. Toutes les factions gagnent la vitesse de recherche. En vrai, je m'en fous un peu. On va garder. On va garder encore. Allez!
Je vous souhaite un bon gaming à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Dune. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao.